On ouvre la boîte ? On peut, oui. Regardez. Ah ben oui. Bonsoir à tous. Ah ben oui, il y en a pas qui aiment mieux les mots que mon copain. Merci Pierrot. Ben justement, vous voulez célébrer parce que effectivement. Merci à toi. Écoute, vous voulez célébrer avec les mots. Alors je t'ai amené quelques copains, quelques personnages parce que quand on parle des mots, quand on parle des auteurs, c'est souvent Fabrice Luchini qui lit les grands auteurs. Et là, il voulait te lire une de tes chansons qui va plaire aux féministes. Pierre Perret a dit... Non, on a du très lourd qui arrive. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Mais ce soir, le bonheur, c'est d'être avec toi. Alors, pour te célébrer, je voudrais t'interpréter avec quelques amis la Corinne. Quand la chouette aux yeux jaunes, la nuit en plein mois d'août, d'un long cri qui résonne, appelle son hibou, les braves gens du village, la mine réjouie, savent bien que ce ramage, c'est pas l'oiseau de nuit. Ils disent, tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. Eh ben voilà. La petite noire du garde-chasse, c'est un vrai piège à bécasse. À l'unisson, les paroissiens dire y a que ça qui lui fait du bien. Là, je pense que ça va être repris par Camélia Jordana. Là, on est bien parti. Et puis là, il y a un couplet un peu plus épicurien. Je vais demander à Gérard Depardieu. Et quand l'hiver s'en vient, dès les premiers flocons, d'un grand coup de surin, on saigne le cochon. Est-ce la bête qui agonise? De qui proviennent ces cris? Poussés derrière l'église, mais les fidèles qui prient disent « Tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. C'est celle du berger Bobby, ça le change de ses brebis. » Et puis, Pierrot, il aurait pu rentrer à l'Académie française. Alors, je pense que Jean d'Ormesson aurait pu lire la Corinne. Elle amena en Afrique son mari Casimir, qui crut entendre un soir un éléphant barrir. Mais ce long cri sauvage, cette féroce clameur, les guerriers du village la connaissaient par cœur. Ils disent, tiens, c'est la Corinne, qui a encore trouvé une pine. Sûrement celle du grand sorcier qui lui agite le couscoussier. À l'unisson, les Africains dirent, il n'y a que ça qui lui fait du bien. Et pour remonter le moral des Français, Jean Castex pourrait lire le passage de la Corinne. Sans mes lunettes, elles sont sur mon tarbouif, mon slip. Il est là, on peut y aller. Dans, je le dis en responsabilité et en comorbidité. Dans un transatlantique, sur le chemin du retour, ils croisèrent des baleines poussant des cris d'amour. Mais dans la nuit obscure, je vous le dis, ces cris de suppliciés, les marins les reconnurent, ainsi que les plaisanciers, ils dirent, tiens, c'est la Corinne, le capitaine la taquine. À cette heure-là, en principe, il lui fait fumer sa pipe. À l'unisson, tous les marins dirent, il n'y a que ça qui lui fait du bien. Et puis, bon, cette pauvre Corinne, on sait comment elle a fini. Puis on a quand même un spécialiste des nécrologies, c'est Patrick Bruel, qui a assisté aux obsèques, aux obsèques de la Corinne. En tant qu'auteur, en tant compositeur, en tant qu'interprète, en tant comédien, en tant que chanteur, en tant que joueur de poker international, en tant que tout, c'est vrai que je suis vachement triste qu'elle soit partie, la Corinne, mais j'ai voulu lui faire ce petit mot à ses grilles. Ouais. Sentant sa mort prochaine, elle dit à son époux, je veux un cercueil de chêne avec des nœuds partout. Cette innocente prière fut bien sûr exaucée. Depuis, lors au cimetière, quand on entend glousser, on dit, tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. C'est la mort, on m'avait pas besoin. Elle peut faire bander un mort. À
l'unisson les paroissiens. Et avec ça qui lui fait du bien. Et puis la fin. Cette vie dissolue l'amena pourtant au ciel pour affronter les foudres du bon Père éternel. Reçue par le concierge, elle poussa un long cri en empoignant sa barbe. Mais les anges ont souri. Ils dirent « Tiens, c'est la Corinne qu'a encore trouvé une pine. C'est Saint-Pierre à tous les coups qui essaye son passe-partout. » Et le bon Dieu a dit « Nom d'un chien, faudra que j'essaye ça un matin. » Et le bon Dieu a dit « Nom d'un chien, ça ne peut que me faire du bien. » Bravo, Laurent. Laurent Gérard, Pierre Perret dans la boîte à secrets. On s'embrasse de loin. Voilà. Bravo, bonsoir. Bonsoir, Laurent. Bonsoir. Vous n'avez pas hésité une seconde à venir pour Pierre Perret. Parce que c'est une histoire d'amitié qui date de quand, Laurent? Oh là là, ça va bien faire bientôt 30 piges, hein, Pierrot. Oui, c'est une histoire d'amour. C'est un gros travailleur. C'est un artiste complet au cirque, il pourrait tout faire. Et dans le cirque du music hall duquel on fait partie, il est tellement doué. Il fait des choses étonnantes que font pas les autres imitateurs. Oh, mon Pierrot, merci. C'est compliqué de saisir la voix de Pierre ou pas? Non, je le fais. Je le fais en spectacle. Il me chante sur scène. Oui, Le Bonheur, c'est toujours pour demain, qui est une chanson. Eh bien, votre spectacle, justement, Sans modération, c'est le titre. Hein. Oui. On pourra le retrouver à l'Olympia le 21 décembre 2021 et à la salle Playel du 4 au 9 janvier 2022. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Laurent, merci beaucoup. Merci. À bientôt, bonjour.